Cette semaine, l'actualité télé a été chargée. Et on commence tout de suite, avec Barbara au sommet des Anges 10, qui a fait de grosses révélations, en dévoilant qu'elle aurait pu être attirée par Raphaël Pépin, si elle n'avait pas été en couple avec Charles sur le tournage. Connue pour son franc-parler, la jeune femme pourrait-elle craquer pour son ancien colocataire? De son côté, Mélanie Amard de Moundir et les Apprentis 3 s'est affichée très proche d'une candidate emblématique B, et on ne s'y attendait pas du tout. Si c'est tout love chez certains candidats, d'autres couples en revanche sont en crise, comme c'est le cas de Sébastien et Yari de Amelala A3, qui aurait définitivement rompu B après le tournage de La Villa, la bataille des couples. Toujours du côté de Moundir et les Apprentis Aventuriers 3, Moundir a enfin dévoilé si oui ou non, les candidats consommaient de l'alcool B, comme c'est souvent le cas sur les tournages. Eh bien la réponse va vous étonner. Dans Les Anges 10 cette semaine, Sarah Frézou a piégé Vincent Kéjo en envoyant une vidéo de lui et m'a dit. Au bout de sa vie et particulièrement inquiète pour son couple, la jeune femme attend de pied ferme le retour de son chéri. De son côté, Kevin Gilch profite de sa vie de célibataire avec Nicolas Lozinabé, et on a récemment aperçu les deux candidats des Marseillais Australiens en soirée avec une amie proche de Carla Moreau. De quoi faire rager la jeune femme. Après avoir succombé plusieurs fois à l'appel de la chirurgie esthétique, Bameline Autant a surpris tout le monde d'il y a quelques jours, en craquant pour une opération inattendue B. De son côté aussi, Shana des Anges 10 s'est affichée métamorphosée sur les réseaux sociaux, et cette nouvelle tête a beaucoup fait réagir les fans de la chanteuse. Lors d'une récente interview, Julien Bert a laissé un beau message à Mila Jasmine après leur aventure dans Moundir et les Apprentis Aventuriers 3B. Message qui restera sans réponse, puisque la candidate de télé-réalité a préféré bloquer son ex par respect pour son chéri actuel.